Eh bien salut tout le monde, c'est Bluskyman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé mais le premier épisode de Citycraft n'avait pas de son, en fait je me suis trompé dans les fichiers, du coup j'ai upload la mauvaise vidéo. Et donc du coup je refais cet épisode, je l'ai supprimé hein, comme vous avez pu le remarquer, et juste derrière il y a ma maison que j'ai construite en off, ça m'a mis pas mal de temps. Elle est pas hyper belle, mais elle est un peu dégueu. En fait, elle a une forme un peu bizarre, mais je vais essayer de l'améliorer. On verra. Sinon, l'intérieur est plutôt sympa. Ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va, on va aménager la maison. Je vous fais un petit peu hésiter. Donc là, on a la piscine. Ici, on a un petit salon. On verra après ce qu'on fera. Ouais, par contre on a de la lumière un peu partout et on va devoir cacher ça avec des tapis. Je verrai un petit peu comment on va faire, mais on va commencer. De suite, j'ai aménagé un spawner à squelette aussi. Du coup, ça me permet d'avoir pas mal d'os pour faire du colorant blanc. J'en aurai besoin pour ma prochaine construction. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre. On va les faire de quelle couleur les tapis? Comme ça, ça pourrait être une bonne idée. On va voir. Merde. Hop. Ouais, rose. Rose comme ça, ça risque d'être un peu flashy. Sinon, on va prendre quoi? Du rouge et du rouge. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de faire une combinaison avec le rose et le rouge? Non. Ouais, bon, on va faire des tapis rouges. Hein. Tac. Ça. On récupère là. J'ai un inventaire archi plein parce que j'ai vraiment beaucoup de stuff. J'ai dû aller miner pas mal de quartz. Il est presque... J'ai presque plus rien en quartz, hein, dans le nether, hein, je parle. Donc on va mettre un petit tapis comme ça. Putain, j'en ai même pas assez. Tic, tic. Normalement, sur cette vidéo, vous aurez pas le son du jeu. Je suis un petit peu désolé pour ça, mais c'est vrai que laveur média, quoi. C'est tellement chiant. C'est tellement chiant. Et j'ai plus de laine. Bon, on va faire ce qui reste. Tac. Ma prochaine construction, bon bah je vais vous le dire. Ici, vous voyez que j'ai fait un plat. Et on va construire un putain de building. J'ai déjà commencé à... Ça, on va le virer. J'ai déjà commencé à... Parce qu'on va le faire tout en verre. Donc j'ai plusieurs stacks de verre. Qui vont nous servir. De toute façon, il y a un désert juste à côté et c'est ça qui est cool. Vous voyez que j'ai quand même. Voilà, bon, là j'en ai un petit peu. D'ailleurs, ça, je sais pas ce que ça fout là. Voilà, je commence à en avoir un petit peu. Ça sera posé. Ça, on va virer tout ça. Hop. On va juste prendre ça, l'histoire de se faire un petit peu d'argile. On va les faire de quelle couleur? On a du rose, ça peut être flashy. Alors, je sais plus comment c'est, je crois que c'est comme ça. Eh bien non. Oh, je sais même plus comment on fait. De toute façon, là, ça va être un... On va peut-être pas le faire tout de suite, ça, parce que c'était pas non plus très extraordinaire. Mais au pire, ce que je suis, voilà. Je vous montre, voilà, ma maison. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec le spawner à squelette qui est vraiment sympa. Du coup, ça me permet de me faire pas mal d'expérience. Derrière, c'est assez stylé aussi. C'est vrai que le derrière est plus joli que le devant, je trouve. Ouais, non, sinon, je suis assez content de ce que j'ai fait. Ici, voilà, c'était le côté. Je sais pas, pour ceux qui ont vu un petit peu l'épisode 1, ça m'étonnerait que vous ayez tout regardé parce que ça durait 30 minutes et 30 minutes sans commentaire, ça risque d'être chiant. Vous avez pu voir que j'avais fait ça en marron foncé.
J'ai changé du coup, hein. J'ai pris du bois de bouleau. Donc ça fait un petit peu mieux. Ici, j'ai construit une petite machine à auto-charbon. Du coup, j'ai juste à mettre du bois. Et en fait, je vais vous montrer comment ça marche pour ceux qui ont la flemme de miner du charbon. Bon, on va aller direct prendre ça. Il vous faut du bois, pas des planches de bois, il vous faut des troncs. Tac. C'est la première fois que je vois ça. Un tronc enfoncé dans le sol. Tac, on a des pommes. Je commence à en avoir pas mal. J'ai fait une usine à pig aussi. Du nether là. Ça me permet d'avoir quelques trucs d'or. Donc vous voyez, regardez. On met du bois là. Ça, c'est du charbon de bois. Ça, c'est celui qu'on trouve dans les minerais. Et on met ça. Ça chauffe. Et ça va nous faire en fait du charbon. Ça va nous donner du charbon de bois. En dessous, j'ai mis un petit hopper qui est relié à ce coffre. Et à chaque fois que voilà, ça m'augmente mon charbon. Et là, vous voyez que je suis déjà à 2 stacks à peu près. Et en fait, ça, vous avez juste à avoir du bois en fait. Et le bois, ça se plante. Et voilà. Donc, c'est beaucoup mieux que d'aller miner du charbon parce que c'est quand même assez chiant. Et voilà, là c'est hyper simple. Je vais attendre que la nuit tombe. On va faire un petit canapé. On va prendre. Ouais, ça c'est bon, j'ai. On va se faire. On va s'en refaire 2 autres. Ouais, le sable, on va voir ce que ça donne. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Le salon. Ça, on va le virer. Ouais, je compte plus le faire là. Hein. Suis en train de réfléchir à ce que je peux faire. Attendez. Sinon, ça va pas être un épisode très long, ça va durer genre 15 minutes, comme ça sera pas non plus trop chiant pour vous. Vu que j'avais déjà fini la maison, c'est un petit peu mieux quoi, je pense, de l'avoir fini, parce que j'ai mis beaucoup de temps, j'ai dû retourner je sais pas combien de fois dans le Nether, parce que j'avais pas assez de quartz, et ça c'est vrai que c'est quand même assez chiant. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. On va se mettre. Comme ça, pas mal du tout. Ici, on se met un petit tapis rouge. Voilà. Et puis, petite table basse. Voilà, nickel. petit salon au calme. Ici, ça sera notre chambre. On va direct poser mon lit. On s'en fera un deuxième après. Pour l'instant, s'enlever là. Avec, petite table de chevet. Hop. On a une petite terrasse ici que je trouve plutôt sympathique. Là. Voilà, donc, comme vous pouvez voir. Hop, voilà. Ça nous gagne du charbon et du coup, j'ai pas besoin de retourner miner du charbon et c'est vraiment cool. Après, je compte me faire une ferme à golem pour le fer, parce que le fer, c'est vrai que c'est commencé à être un petit peu chaud. Ouais, j'ai trouvé quelques diamants. J'ai pu me faire une pioche et avec efficacité 1 et puis recul 1, ouais, sur mon épée, c'est plutôt pas mal. Enfin, ça va quoi, c'est pas non plus super, mais c'est pas non plus dégueu. Je vous montre le petit spawner à squelette et puis on se laissera là, comme ça, ce sera un petit peu un épisode débriefing. Tac. Hop. Ah d'accord, ok. Bon bah je spawn de l'autre côté. C'est assez bizarre. Donc regardez, je vais vite fait vous montrer comme ça passera le temps. Hop. Ce sera pas un épisode avec beaucoup de contenu, hein. Mais non, c'est vrai que ma maison est quand même assez stylée, je trouve. Ça va. Il y a juste ce côté-là en fait qui fait un peu désordonné par rapport à celui-là. Mais peut-être que je changerai. Ici, donc j'ai fait plat. Je compte faire un pont. Au départ, je voulais faire en quartz, mais c'est
hyper chaud, je pense. Enfin, ça va être vraiment chaud de trouver encore du quartz dans les heures. Enfin, va falloir que je parte hyper loin et ça risque vite de me saouler. Je vais coller un building ici qui ira beaucoup plus haut que l'arbre, je pense. Ou un petit peu plus haut, quelques blocs, genre une dizaine de blocs un peu plus haut. Coller, pourquoi ça? Ça ferait un espèce de truc. Ou alors, soit je le fais carrément en plein milieu. Et après, du coup, ici. En fait, je voulais faire un truc qui parte un peu de la montagne comme ça. Enfin, ça peut être vraiment stylé. Et avec un pont devant et puis un espèce de petit rond-point. Ça risque d'être vraiment pas mal du tout. Ça risque d'être vraiment pas mal. On aura une vue sur ma maison. Et du coup, ça sera cool. Ça sera cool. Tac, je vous montre mon petit spawner à squelette. Comme ça, on est bon. Alors. Oui, donc du coup j'ai rechargé une map hein. Donc ça j'ai pas exploré, il y a des torches parce que je voulais aller chercher vite fait un petit peu de fer, mais sinon je suis pas allé explorer, je suis surtout allé explorer. Il y a une faille de l'autre côté qui est vraiment pas mal près du village PNJ. Et ici vous voyez que j'ai un petit peu aménagé et regardez ce qu'on a. Hop, on a un petit spawner à squelette. On va attendre que ça spawn gentiment, je crois que ça met un petit peu de temps quand même. Du coup là j'ai mis deux fontaines d'eau. Pour que les squelettes soient poussés ici, voilà, ça spawn. Tac, on a juste à les buter à la sortie et ça nous fait pas mal d'XP. On a pas mal de flèches. Putain, il a réussi à me toucher, je sais pas trop comment. Voilà, on a trois flèches, on a trois os. Hop, voilà, on les bute facilement en plus. Et puis, bah, tout l'XP nous revient dessus vu que l'eau va par là. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa comme système, je trouve. Vous faites ça pour tous vos spawners. J'avais dit que j'avais un deuxième spawner aussi. Enfin, je l'avais dit dans ma. Putain, il y a un Enderman là, what the fuck. Enfin, je l'avais dit dans mon. Je sais pas si je l'avais dit. Et je croyais que j'avais un deuxième spawner. On va éviter de le regarder lui. Mais en fait, le spawner a été détruit par un creeper pendant que la map chargeait, je pense. Et en tout cas, on voit qu'il y avait un reste de spawner qui a été explosé. Je sais pas comment ça a pu arriver, un truc pareil. Mais c'est pas grave. Là, on a notre petite plantation de patates. Donc maintenant, je me nourris que de ça. Hein. Tac. Et je vais vous montrer vite fait un petit peu le nether avant de partir. Ça marche pas tellement bien hein, la machine à pig. Hein. J'ai pas encore tout à fait exploité le système. Mais de toute façon, il n'y a pas de redstone, hein, c'est carrément à la wall again. C'est un petit peu, je me suis inspiré du système d'Hypierre qu'il a fait dans sa dernière vidéo là. Ouais, du coup là, c'est pas du tout la même génération du Nether. Par contre, on a la même map de Blue Sky Main Adventure, mais on n'a pas la même génération du Nether. Je sais juste qu'il y a un donjon par là, du même côté par contre que dans l'ancien Nether. Et ici, on a la ferme. À pig. Alors là, il y a mon cochon qui a totalement disparu. Ici, à cet endroit-là, il y avait un cochon. Je sais pas ce qu'il est devenu. Et en haut, on a des plateformes. Vous voyez, il y a un cochon là. On a des grandes plateformes. Et en fait, quand on va taper ce cochon-là, ça va venir aggro les cochons. Ils vont tomber ici. Et on va pouvoir les buter facilement. Et une fois qu'il n'y en a plus, on ouvre les portes. Et on récupère le stuff des cochons. Donc, c'est-à-dire les golden nuggets, je crois que ça s'appelle comme ça. Puis un peu de rotten flesh, mais c'est pas très très intéressant. Sinon, ouais, le nether il est pas terrible. Hein. J'ai pas le. Putain, il y a un ghast, on va se barrer. Mais c'est vrai que là, j'ai un peu puisé dans toutes les ressources au niveau du quartz. Et donc, du coup, je sais pas si je vais pouvoir refaire des constructions en quartz. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il est quand même 1h30 du mat. Je parle pas très fort, c'est pour ça que ma voix est un petit peu bizarre, mais ne vous inquiétez pas. Donc demain nous sommes lundi, le 3 commence. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand salon au monde du jeu vidéo. Après, je crois que c'est pas en superficie parce que il y a celui qui se passe en Allemagne, là, je sais plus trop, du tout comment ça s'appelle. Et apparemment, la Paris Games Week, sûrement cette année, va dépasser au niveau de la superficie du bâtiment. Mais en tout cas, c'est le plus grand salon au monde du jeu vidéo. Ça se passe à Los Angeles et c'est vraiment très très classe.
Et ça se déroule du coup lundi, mais vous aurez cette vidéo lundi, vu que là on est dimanche soir. Et mardi, vous aurez une vidéo que je ne vous dirai pas. Faudra attendre la fin de la vidéo pour entendre le petit mot mystère. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager ma chaîne, à aimer et à commenter, ça me fait vraiment plaisir. On est bientôt à 110 abonnés, voilà, je tenais juste à le préciser, c'est pas. On avance doucement mais sûrement. Et puis moi je vous laisse, portez-vous bien. À la prochaine. CS.